plaisir, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle astuce, donc pour avoir la Hawk Knife modée. Donc c'est une nouvelle astuce. Donc pour cette astuce j'étais en compagnie de Alyosha. Donc merci à toi d'avoir participé à cette vidéo. Donc comme vous allez voir à quoi pourrait ressembler la Hawk Knife, donc enfin à quoi ressemble la Hawk Knife modée. Donc pour faire ceci, vous aurez juste à aller sur internet Legendary Motorsport Hawk Knife, 90 000 $. Donc elle est pas chère. Vous prenez n'importe laquelle couleur. Vous allez donc la commander. Donc vous allez pouvoir que j'ai mis un petit peu de temps pour chercher dans quel garage la mettre. Voilà, et dès que vous aurez le message en bas à gauche, donc vous aurez juste à l'appeler. Donc par le mécano, vous pouvez aussi aller la chercher dans le garage, hein. ça changera rien du tout. Et voilà, donc ça vous fera ça comme véhicule. Donc vous pourrez voir que le pare-choc sera enlevé. Voilà, ça vous fait vraiment un véhicule assez modé, donc assez cool. Donc je pense que c'est plus à maintenant que ce véhicule peut être modé juste en l'appelant. Donc je sais pas si vous rappelez du glitch que j'avais fait donc pour la casco. Donc pareil, il fallait juste l'acheter et elle était modée, donc vous avez plus le droit. Vous avez pu voir aussi que quand j'ai appelé mon véhicule, donc ma Hawk Knife que j'avais acheté, il y avait deux Hawk Knife. Donc l'autre Hawk Knife c'était elle que j'avais modé donc il y a très longtemps, donc c'était pas ce glitch, hein. Donc voilà, c'était juste pour préciser. Ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Allez, moi je vous peace, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.